L'hommage qui ne passe pas Jim Carrey dessine Aretha Franklin et crée la polémique. Acteur, humoriste, scénariste, producteur, Jim Carrey multiplie les casquettes. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est qu'à ses heures perdues, l'éternel interprète de Thomas qui s'adonne également à l'art de la caricature. Des croquis d'actualité, généralement de personnalités politiques comme Donald Trump, qu'il partage sur son compte Twitter. Ce 16 août, pour célébrer la mémoire d'Aretha Franklin, Jim Carrey s'est saisi de son crayon, esquissant un portrait de la chanteuse, sur lequel elle apparaît bouche grande ouverte. Le tout, agrémenté de quelques mots, regardez comme une vie peut être belle. Merci Aretha / Un dessin qui a entraîné la colère des internautes. En cause / la couleur de peau de la reine de la soul, jugée bien trop blanche. Aretha était noire, je t'adore Jim mais est-ce que tu aurais un marqueur marron / ou encore c'est offensant, peut lire en commentaire de son poste. Un tweeto n'a d'ailleurs pas hésité à rectifier le tir en publiant une version modifiée du croquis de l'acteur. Heureusement, certains ont pris la défense de Jim Carrey, expliquant que cette blancheur faisait écho au fait que la chanteuse de respect était en train de rejoindre la lumière. Un éclaircissement symbolique qui n'a toutefois pas convaincu tout le monde.